Voilà, alors dans cette étape 1, vous avez dû voir, en même temps que j'ai jeté l'objet, j'ai dit le mot stop. J'espère que vous l'avez entendu. Vous avez deux possibilités. Soit vous jetez comme ceci par le bas, soit vous jetez par le haut. Alors, j'ai tendance à avoir une préférence, c'est jeter par le bas, parce que pour certains chiens un peu craintifs, mais même pour d'autres, jeter par le haut avec un objet qui leur arrive sur la tronche, c'est pas super confortable pour eux, et d'ailleurs souvent on les voit cligner des yeux à ce moment-là. Donc j'ai tendance à privilégier par le bas. La seule différence en termes d'apprentissage, c'est qu'à la finalité, le chien va apprendre deux signaux visuels différents. C'est-à-dire que par le bas, il va plutôt apprendre stop comme ceci, et par le haut, il va apprendre stop comme ceci. Mais sur le principe, le signal visuel, vous pouvez le changer un petit peu à n'importe quel moment. Donc c'est pas une grosse différence entre les deux. Je vous montre avec la nourriture. Voilà, donc là vous avez vu la première étape du stop. Dans la première étape, l'élément à prendre en compte qui est important, c'est quand vous travaillez avec l'objet, vous devez jeter légèrement sur le côté pour que la force de l'arrière-train du chien qui arrive vite puisse se répartir sur l'ensemble du corps. Si vous jetez tout droit, le problème c'est que vous avez tout le poids qui arrive sur les coudes et ce n'est pas bon. Quoi que vous entraîniez, que ce soit en éducation, en comportement, en tricks, etc., vous devez faire attention. Oui, au respect de l'émotionnel du chien, mais vous devez également faire attention au respect de la physiologie de votre chien, d'accord? Donc pour l'objet, on envoie légèrement sur le côté. Si vous avez un chien qui est très très fort sur la nourriture, vous faites exactement la même chose, vous envoyez légèrement sur le côté pour que le chien puisse répartir son poids. Ça, c'est l'élément important. A tout de suite pour l'étape 2. Salut! Voilà, alors maintenant je vais vous montrer l'étape 2. Donc l'étape 2 va consister à la même chose, mais en un décalage entre le moment où vous donnez le stop et donc où on jetait la friandise en même temps dans la première étape, et le moment où vraiment on récompense. On va faire, comme m'a dit une cliente l'autre jour, on va faire une feinte. On va faire comme si on envoyait la récompense, on ne l'envoie pas, mais comme le chien va s'arrêter, on va marquer et on va récompenser. Alors vous pouvez utiliser le yes si vous utilisez le jouet comme récompense, clic ou oui pour ou le mot clic pour si vous utilisez la nourriture. L'essentiel, c'est de marquer bien l'arrêt du chien et de récompenser par la suite. Donc je vais vous montrer ça en image. Voilà, donc ça c'est votre étape 2. J'espère que vous avez pu le voir comme il faut. Donc j'ai fait stop, elle s'est arrêtée et j'ai donc cette fois envoyé la récompense à ce moment-là. La première fois, je n'ai pas envoyé, je l'ai gardée dans la main et comme j'ai validé, j'ai récompensé, d'accord? Ce qui va être important dans cette étape 2, c'est le fait que vous continuiez bien à faire le geste. Rassurez-vous, la plupart des humains, quand ils arrivent à cette étape, font stop sans envoyer le bras. Le problème, c'est que pour l'instant, votre chien n'a pas encore appris, d'accord? Il n'a pas appris le mot, il se réfère uniquement au bras qui s'allonge et qui jette une récompense, que ce soit sous forme de jouet ou que ce soit sous forme de nourriture. Je vous le montre avec le jouet également. Ça va bien? Stop! Oui, c'est bien mon toutou. Oh, il était énorme, c'est bien. Alors là, j'ai été présenter les excuses à mon chien parce qu'en fait, je n'ai pas retrouvé le jouet jaune avec lequel on travaillait tout à l'heure. Et clairement, le pauvre, il attendait le jouet jaune, il n'a pas du tout compris le jouet bleu. Et en fait, j'ai pris bleu pour que vous le voyiez mieux parce qu'il était plus gros. Et il n'a pas du tout apprécié de ne pas recevoir le bon jouet. Et en plus, le jouet était un petit peu gros pour lui. Je pense que du coup, vous allez en profiter. Enfin, je vous conseille de du coup faire un petit retour en arrière sur cette étape-là et de regarder justement les signaux de communication du chien. Vous savez que j'aime beaucoup vous les faire regarder quand je revois, d'accord? Il me semble, ça a été un peu vite pour moi, il faudrait que je re-regarde la caméra.
Mais il me semble que mon chien donc a mis les oreilles en arrière. Bien sûr, à la base, ce n'est pas un signal de communication, mais ça montrait quand même un inconfort et il me semble qu'il a tiré la langue et cligné des yeux. Donc les signaux de communication ici sont bien le tirage de langue et le clignage des yeux. Donc, cette étape numéro 2, c'est vraiment, je fais comme si j'envoyais, mon chien s'arrête quand je dis stop, et donc je récompense, ok? Alors, votre chien peut-être, et surtout si vous avez des chiens type border, va très très vite vous montrer qu'il arrive à faire l'étape 2. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas brûler les étapes. Pourquoi? Parce que votre chien, en réalité, n'est pas prêt. Votre chien sera prêt. Il vous le montrera, il vous le dira. Il y a un élément très très simple à observer, c'est quand vous allez être dans l'étape 1. Donc je rappelle, l'étape 1, j'envoie et je jette, j'envoie mon bras, je jette la friandise en même temps et je dis stop. Quand je vais être là, comme nous les humains, nous sommes très très lents, en fait mon chien va marquer un arrêt, que j'utilise le jouet ou la nourriture, mon chien va marquer un arrêt avant même que j'ai fini d'envoyer ma récompense. Quand votre chien vous montre ça, il vous dit « je suis prêt pour l'étape 2 ». Et donc là, à ce moment-là, vous faites l'étape 2. Voilà, je voudrais essayer de ne pas faire une vidéo trop trop longue. Maintenant, les étapes du stop sont assez compliquées à vous montrer rapidement et à vous les expliquer de sorte qu'elles soient compréhensibles dans un cours en ligne. L'étape 3 va consister tout simplement à faire disparaître ce geste graduellement. Pensez toujours graduel, quoi que vous entraîniez. Donc peut-être que quand vous travaillez, votre bras balance jusque-là. Et progressivement, quand vous serez à l'étape 2, donc progressivement, vous arrêterez là. Stop, votre chien va s'arrêter, vous allez envoyer. Stop, il va s'arrêter, vous allez envoyer. Stop, il va s'arrêter, vous allez envoyer. Et quand vous n'avez plus besoin de faire le geste, vous savez que votre chien a compris, appris le vocal. La dernière étape est de travailler avec les mains dans le dos. Vous rappelez votre chien, stop, il s'arrête et vous pouvez jeter la récompense. En général, je conseille de jeter la récompense avec la main opposée pour que le chien commence à perdre le repère de la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous faire juste un petit ajout pour que vous voyez la dernière étape. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, je vous fais une nouvelle vidéo pour compléter cette vidéo si quelque chose n'est pas clair pour vous. À très vite. Voilà, il y a un petit peu moins de luminosité sur cette fin de vidéo, j'espère que ça ira quand même. Je n'ai pas l'électricité sur ce terrain-là, mais je tiens vraiment à ce que vous puissiez continuer l'entraînement pendant cet arrêt coronavirus. Je tiens aussi à vous dire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec cet entraînement. Oui, le coronavirus est une zoonose. Oui, il est transmissible à toutes les espèces. Ce n'est pas une raison pour abandonner les chiens. Les chiens ne nous abandonnent pas parce que nous avons développé une maladie et que nous la passons et aux chiens et aux humains. Donc rien ne justifie un abandon dans ces périodes-là. Au contraire, on doit tous se serrer les mains, je dirais vocalement parlant. On doit se soutenir les uns les autres, et y compris les animaux. Les chiens sont là avec nous, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos humeurs, quelles que soient nos difficultés, ils sont là. Donc rien ne justifie que vous les abandonniez aujourd'hui. Donc continuez à être auprès d'eux. À les câliner, à les bisouiller, d'accord? Parce que de toute façon, ce qu'on doit choper, on le chopera. Et de toute façon, la finalité, c'est qu'on va tous mourir, quoi qu'il arrive. Donc, autant le prendre de façon positive. À tous!